Good morgen, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui la lune Nishmat. Amra bien amen chana pig, bet ester, zavad, non, adob, chif, parti, simon, bet, l'onim, yechem, novikov, et c'est le fouat, rout, bet, kolotin, traina, et simcha, bet, masoudi, betor, cha, cholé, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot, Père Guimel, Mishnachet, Eizohi, Shvuat, Shav, Nishba, le chanot, et ayadoua, la Adam. Amar, à la amoud, chaleven, chéou, chale, zahav, ou à la ish, chéou, isha, ou à la isha, chéou, ish. Nishba, le davar, chéou, if, shav. אם לא ראיתי גמל שפורח באוויר, ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. אמר לה, בואו ויעידוני, שבועה שלא נעידך. נשבע לבטל את המצווה, שלא לעשות סוכה, ושלא ליטול לולב, ושלא להניח תפילין. זוהי שבועת שב, שחייבין על זדונה מכות, ועל שגיגתה פטור. On a parlé jusqu'à maintenant essentiellement de la Shvuat Bitouille, celui qui jure à tort avec deux cas de figure. Soit je veux attester une chose passée que les gens ne savent pas, et donc je veux vous affirmer qu'elle est vraie, et je jure que j'ai vu ce matin David à la synagogue alors que tout le monde croyait qu'il était en vacances. Donc j'ai juré. Il s'avère que j'ai juré à tort, ça s'appelle que j'ai juré à tort, donc ça s'appelle Shvuat Sheker. Shvuat Bitouille, j'ai transgressé l'interdit de Shvuat Sheker. J'ai juré à faux. Un autre cas de figure encore, c'est que je jure sur une action à venir que je vais faire ou que je ne vais pas faire. Je jure que d'ici une heure, je vais me boire un verre d'eau et finalement, je laisse passer à l'heure et je ne bois pas le verre d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelait Shvuat Sheker. C'est-à-dire, il y a la vérité, la réalité, elle peut être soit oui, soit vraie, soit fausse. Et je viens attester cette chose-là en jurant que c'est vrai. D'accord ? Entre parenthèses, le principe de la Shvuah du serment, on l'avait évoqué déjà, c'est que je veux affirmer que, sache, je jure Beshem Hashem. Ou bien on peut jurer, il y en a qui jurent sur, en attrapant un Sefer Torah. De là, ça provient le fait de jurer sur sa vie. C'est encore une petite nuance, on va expliquer peut-être à l'occasion de quoi ça parle exactement. D'où ça vient, jurer sur sa vie. C'est le même principe, malgré tout. Mais en tout cas, jurer sur en prenant comme référence quelque chose, ça signifie que autant que cette chose est vraie, alors ce que je dis est aussi vrai. Donc, quand je jure Beshem Hashem, je jure autant qu'Hashem est la vérité, l'être par excellence, eh bien, ce que j'affirme aussi est la réalité qui s'est produite ou est la réalité qui va être réalisée au futur, si je prononce au futur. De ce fait, on va apprendre dans notre Mishnah la Shvuat Shav, jurer en vain. Jurer en vain, c'est celui qui va jurer. Alors, ça va dans les deux sens. Soit pour attester une chose qui est entièrement fausse, ou même entièrement vraie. Ou encore, Nishba le Batel et Mitzvah, comme on l'expliquera ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par d'abord lire, traduire la Mishnah, et après on va leur donner. Il y a trois cas de figure dans la Mishnah, d'accord ? Trois sous-chapitres qui vont entrer ensemble, qui vont former ce qu'on appelle la Shvuat Shav. Eizori Shvuat Shav, qu'est-ce qu'on appelle jurer en vain ? La différence fondamentale entre celui qui jure en vain et celui qui jure à faux est, d'abord, il ne transgresse pas le même interdit. Il y a Lotisa Hashem Hashem Lokecha la Shav. Il y a, dans la Sefer Dibrot, il y a marqué Lotisa Hashem Hashem Lokecha la Shav. Tu ne prononceras pas le nom d'Hashem en vain, c'est pour celui qui jure en vain. D'accord ? Essentiellement. Aussi celui qui prononce une bracha, c'est une discussion ou pas. Essentiellement, celui qui jure en vain. Il y a aussi écrit l'otisa et chama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 cham
C'est ce que la dernière phrase de la Mishnah va nous dire. Zoi shvat shav shechayven al zdona makot, qu'on écrase ben mezid avec consciemment, en préméditation, on écrase ben makot, d'être frappé. Et vers les shigigata, patour, si on était ben shogeg, par erreur, par inadvertance, ouais, alors on sera patour de korban, à la différence de shvat sheker. D'accord ? Donc on commence maintenant les trois cas de figure. Et zoi shvat shav, qu'est-ce qu'on appelle une shvat shav, une joie en vain ? Nishba le chanot atayadoua la dame. S'il a juré pour modifier quelque chose qui était une évidence mondiale, évidente, personne ne pouvait dire le contraire. Par exemple, Amar ala amoud shel even shel shazav. Il a dit à une poutre, sur une poutre de bois, il a juré qu'elle était en or. Je jure que ce mur, je jure, Meshem Hashem, que ce mur-là, il est en or. Tout le monde voit ce mur, on voit que c'est de la pierre, du béton. Il n'y a aucune raison de dire que c'est de la. C'est de l'or, et bien dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il a juré, il n'a pas juré Shvat Sheker, il a juré Shvat Shav. Il a prononcé le Shem Hashem en vain, pour une chose vaine. On s'en moque si finalement t'as menti ou t'as dit la vérité, parce que ça ne change rien au problème. C'est ni une vérité ni un mensonge, c'est vain complètement, ça n'a pas de sens, donc c'est Shvat Shav. Ok ? Valaish Shehuisha, Valaisha Shehuisha, idem encore celui qui avait juré sur un homme que c'est une femme. On parle bien sûr d'un homme, un vrai homme, qui a une tête d'homme, pas qui se déguise en femme. Alors, il jure que cet homme-là, c'est une femme. Ou bien il jure que cette femme-là, c'est un homme. C'était de nouveau une vraie femme. Ça, c'est plus facile de l'être. Donc, il a juré sur une femme qui était un homme aussi. Alors, c'était une évidence née. Il n'y a même pas de issour shaker dans ça. Il y a juste le issour de Shvat Shav. Tu mentionnes le Shem Hashem en vain. Il en va de même. S'il va jurer sur un homme qui est un homme et une femme qui est une femme aussi, ça va de soi. C'est comme ce que ça va être déduit cette fois-ci dans la deuxième partie de la Mishnah. Nishba al davar shei afshar. Il a juré pour attester une chose qui était de toute façon certaine, impossible. Imlo ra'iti gamal sheporeach ba'avir. Concrètement, je traduis pour le moment. Il y a quelque chose de particulier en fait. Si je n'ai pas vu un chameau qui était en train de voler en air, dans l'air, v'imloraiti nachash ke korat betabad, ou encore si je n'ai pas vu un serpent qui était comme une poutre du pressoir, soit pas dans la taille ni dans la grosseur, mais plutôt dans la forme carrée, cubique, il jure qu'il a vu quelque chose de très bizarre. Si vous faites attention à marquer cette fois-ci qu'il a dit sous forme de imlo. Si je n'ai pas vu. En réalité, la Gemara explique qu'on parle qu'il a plutôt dit une phrase pareille, qu'il a dit je jure que si je n'ai pas vu un chameau, tous les fruits du monde seront interdits à moi. Comme ça, la Gemara propose. En réalité, donc, comme si qu'il a envie d'attester, il prononce quelque chose de. Il dit, ouais, il fait le malin en fait. Il s'amuse à prononcer une joie sur quelque chose qui n'a pas de sens. Et. Que malgré tout, qui va être en fait, qui va affirmer par là que si c'est pas vrai ce que je dis, alors je jure que je m'engage que je vais manger aucun fruit de la terre. En fait, il s'avère que maintenant, ce que tu veux attester, c'est un sujet vain complètement, c'est une évidence que c'est pas possible qu'il y ait un chameau qui vole, ou c'est pas possible qu'il y ait un serpent qui soit cubique, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. De ce fait, tu as utilisé le Shem Hashem, tu as juré le Shem Hashem pour quelque chose de vain. Eh bien, sache que ta shvoua, ton serment, elle est nulle et non avenue. Tu auras le droit de manger tous les fruits du monde et tu seras simplement frappé parce que tu as transgressé l'interdit de shvoat shav. D'accord ? Troisième cas de figure, maintenant, c'est Amar la Edim Bou Ve'aïdouni. Cette fois-ci, le principe de toute cette prochaine fin de Mishnah, ça va être celui qui va jurer pour annuler une mitzvah. On a des devoirs face à la Torah, on l'a déjà évoqué. Que tout ce qu'on doit faire selon la Torah, on est imposé de le faire. Si on va jurer de ne pas le faire, de faire le contraire de ce que la Torah nous dit, dans ce cas-là, on ne sera pas du tout engagé par ce que l'on a juré, mais on aura tout simplement juré une juvoat shav et on accomplira la mitzvah. Par exemple, Amar la Edim, il a dit à des témoins, c'est-à-dire, quelqu'un vient et va voir des témoins, il demande au Edim, Bou vehaïdouni, venez témoigner pour moi, vous avez vu que Reuven a tapé ma voiture. Donc je vous demande de venir témoigner. Et qu'est-ce qu'ils disent eux ? Shvoa shelo naidach. Nous jurons que nous n'allons pas témoigner pour toi. Or, témoigner, c'est une mitzvah de la Torah. Imlo yagid venasa avono. Il y a un devoir sur chacun de témoigner. Une chose qu'on a vue, à partir du moment où l'autre me demande, m'invite à venir témoigner, je suis obligé de venir témoigner. De ce fait,
qu'est-ce que tu jures que tu ne vas pas témoigner? Tu jures en vain, parce que tu es déjà engagé, tu dois déjà de toute façon venir témoigner par la Torah, donc ton serment, il est vain, et de ce fait, tu transgresses l'interdit de Shuvat Shah, et tu iras témoigner sans aucun problème. Idem encore, Nishba levatel et ta mitzvah. Il a juré qu'il n'allait pas accomplir la mitzvah. Par exemple, Shelola sans souka. Je jure que cette année, je ne vais pas faire la mitzvah de la souka. Ou Shelo veshelo litol lulav. Je ne vais pas saisir le lulav à Sukkot. Veshelo lanir tefilin. Je ne vais pas mettre les tefilin demain. Zoï Shuvat Shav. Tout ça, ça s'appelle des Shuvat Shav. C'est parce que ce sont des domaines que tu ne peux pas jurer. T'as pas la capacité. T'as pas le droit de jurer. Parce que tu as d'abord parce qu'on est imposé par la Torah et en plus on a déjà juré au Sinaï. De ce fait, ça devient une Shuvat Shav. T'as juré que tu allais faire une chose que de toute façon t'es obligé de faire. C'est nul et non avenu. D'accord ? De ce fait, il transgresse l'interdit du Shuvat Shav, il accomplira sa mitzvah. Zoï Shuvat Shav, Shechavin al Zdona Makot, Val Shigigata, Patour. C'est ça, la mitzvah, l'interdit de Shuvat Shav, de jurer en vain, que Shechavin al Zdona Makot, que l'on est passible que si on transgresse Bemezid, si on la transgresse Bemezid avec intention, ouais, on est bien conscient, alors on sera passible de Makot, d'être frappé au Beddin, 39 coups, on transgresse l'interdit de la Torah. Val Shigigata, Patour. Et si on la transgresse Beshogeg, par erreur, on ne savait pas que c'était interdit, que c'était si grave, alors on sera pas tour, on sera dispensé d'être frappé, et d'apporter un corban, puisque c'est plus joie de checker. D'accord ? On va présenter le Bartenora. Imlo. Donc, ouais, on avait dit qu'on allait. Bon, c'est rapide, on a bien compris le principe, d'accord ? Jurer sur une évidence dans les deux sens. La Mishnah a surtout évoqué le cas où je jure pour contredire l'évidence. Mais même si je jure pour attester l'évidence, c'est aussi une joie de chav, bien évidemment. La Mishnah n'a pas eu besoin de nous l'enseigner, étant donné que c'était tellement évident que si tu jures qu'il y a de la lumière, je jure que j'ai un livre devant moi, c'est quoi? On a vu que tu as un livre, t'as pas besoin d'attester ça. Ça, c'était certain que c'était Shuvat Shav. Le chidouj à la Mishnah, il est que même quand tu vas mentir, tu transgresses pas le Shuvat Sheker, mais tu transgresses la Shuvat Shav. Imlo ra'iti gamal porar ba'avir. Là, c'est la deuxième partie de la Mishnah qui est un petit peu floue. Je jure que si je n'ai pas vu un chameau voler en l'air. De quoi on parle? En fait, non, la Gemara explique. Klomar, c'est-à-dire que tous les fruits du monde soient interdits sur moi si je n'ai pas vu un chameau voler. Là, il y a quand même une petite feinte. À la limite même, il y a d'ailleurs les Rishonim parlent longuement de ça, parce qu'il y a un problème. C'est que si je veux jurer pour interdire tous les fruits du monde, je peux jurer que des ormes, apparemment, ça va discuter en réalité, mais au sens, apparemment, je peux jurer que par exemple, je ne vais pas manger aujourd'hui. Je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui. Eh bien, j'ai juré. Eh bien, si je dis maintenant, je jure que si la pièce n'est pas obscure en ce moment, eh bien, je ne vais pas manger demain. Apparemment, donc finalement, je suis en train de jurer que je ne vais pas manger demain. Si la pièce n'est pas obscure, je ne vais pas manger demain. Or, en l'occurrence, il y a de la lumière, donc je ne vais pas pouvoir manger. D'accord, ouais, parce qu'on n'est pas dans l'obscurité. On aurait pu croire que dans ce cas-là, je me suis engagé par mon serment. Eh bien, la Mishnah nous enseigne qu'en réalité, non. Étant donné que le principe de ta joie, c'est attester une stupidité, eh bien, ça s'appelle directement une joie de chave, même si on aurait pu considérer tes paroles et au final déduire que ta phrase, en fait, tu voulais tout simplement interdire les fruits ou tu voulais t'interdire de ne pas manger demain. Ouais, d'accord, vous m'avez compris. Malgré tout, il y a une grande arichoute. Les Rishonim parlent longuement pour expliquer finalement pourquoi c'est pas comme ça. Ça va dans tous les sens. Moi, je me contente pour le moment de traduire le Bartenora. Si vous voulez développer le sujet, il y a dans le Tosfot Yom Tov, il nous rapporte deux avis essentiels, Tosfot et le Ran. C'est très intéressant. Ça modifie tout le pshat de la Mishnah en réalité. Mais je vous le dis pas, ça va devenir trop lourd sinon. Je m'interdis tous les fruits du monde si j'ai pas vu un chameau voler. Donc en fait, tu t'interdis tous les fruits du monde. Malgré tout, ça s'appelle une joachav. Nachash kekorat betabad, ou si j'ai pas vu un serpent qui était kekorat betabad, comme une poutre du pressoir, c'est-à-dire ketavnit korat betabad, vetsurata, qui était dans la forme. Je déduis que c'est la forme cubique, d'accord, la tête au carré. Des ilou kirovi korat betabad. Par contre, si vous voulez parler de l'épaisseur de la poutre, lo ave juachav, ça c'est pas une juachav. Pourquoi? Des ikatouva, parce que ça existe des serpents qui sont énormes, qui font une taille de poutre, apparemment. Bon, j'aime qu'on ne les rencontre pas dans la rue.
Shvua shelona idecha. Maintenant, on passe à la deuxième, à la troisième forme de la Mishnah, en fait, la troisième partie de la Mishnah, où il a juré d'annuler une mitzvah. Et en fait, la Mishnah, c'est intéressant parce que la Mishnah, elle avait été composée en deux parties. Elle a séparé la Shvua de celui qui ne va pas témoigner, et puis après, la Mishnah a précisé celui qui ne va pas jurer pour annuler la mitzvah. Mais en réalité, tout rentre dans le même sous-chapitre. Regardez, je vois Shalom Aïdecha, nous jurons que nous n'allons pas te témoigner pour toi. Bitul mitzvah, ça s'appelle que tu annules une mitzvah. De achayav le'aïd, parce que tu as un devoir de témoigner au Bedin Shenema, comme dit le Pasuk. Imlo yagid venasa avono, s'il ne témoignera pas, il transgressera, il portera sa faute. Et de ce fait, tu as un devoir de témoigner. Donc, jurer que tu ne vas pas témoigner, ça s'appelle une joie de chav. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.